Téléspectateurs, téléspectatrices, c'est avec un pile plaisir nous trouver nous dans l'église Pierre-Lacroix Christian Center, côté que nous pourrons faire un petit chit à parler avec deux potoricassons qui passaient de présentation dans la communauté A et gagner, même rayonnement, nous capables de dire international. Et c'est un moment que nous tapons tant depuis longtemps, mais nous pas jamais eu l'opportunité pour nous être capables de rencontrer avec deux monsieur Saï. C'est pasteur Bob Jérôme, ensemble avec pasteur Davidson Dagrin. Et c'est avec eux, nous allons faire un petit parler. Ils vont nous dire qui ça que vous avez dans Diakoutio, pour qui raison même, eh bien, ils ont fondé Pierre-Lacroix Christian Center, et qui ça que vous avez gagné à préparer dans la cuisine pour le plaisir, le bonheur de la communauté évangélique et de la communauté haïtienne en général. Comme ça, d'après le dit monsieur, bonsoir et bienvenue sur la HTN. Bonsoir aussi, merci en pile, pasteur Emmanuel. Bon, téléspectateurs, Noël, c'est pasteur Thibault. C'est comme ça nous habituer l'île et c'est comme ça nous toujours l'île. Et il a toujours dit, si, gagner sagesse là-dedans, gagner politesse là-dedans. Alors, pour moi, nous connaissons que nous vivons dans la communauté et nous avons que un mouvement de population qui a fait. Et bien que nous tous les deux sommes très connus, mais à cause de mon cap rentré, il est capable, bon, soit capable, dans la mesure du possible, très court. Vous connaissez, vous toujours dit, pasteur, mais pas l'empire. Et bien, pasteur, c'est un petit sac là. Alors, est-ce qu'on est capable d'introduire nous? Parlez de qui est-ce qui est Thibault? Et qui est-ce qui est pasteur Dagrin? Et qui ça t'a porté nous à créer une œuvre de ce genre? Eh bien, moi-même, moi, c'est d'ailleurs Jérôme, mais plus mon, si tu n'as pas le ticket, je connais comme Bob Jérôme. Et même pour tout le monde sur la tête, c'est Thibault, ou bien Thibault de Nazareth. Donc, c'est musique qui fait que de Nazareth l'attaché à elle, donc le plus connaît ce Thibault de Nazareth. Une information clé n'a pas bail pour tout le monde connaît ticket, c'est à Connecticut nous habiter. C'est là nous était nous connaît en pile là nous pendant 25 dernières années, nous toujours pensé que c'est Canada pas vivre ou bien Miami que c'est Haïti, non, c'est Connecticut même. Donc mais pas visiter, me visiter Connecticut, c'est la caille moins. Donc c'est docteur Thibault, frère Bob, pasteur Bob, Bob Jérôme, Dar Jérôme, quelque a sorti ou tomber Kai Nazareth là. Et nous gagnons pasteur et Davidson Dagrin qui c'est un pasteur qui passe des présentations aussi dans zone nord qui font paquet de temps et il était pasteur et différentes églises et nous même monde plus connaît nous comme chanteur mais depuis 2019 nous pastorer dans l'église Boston ensemble avec pasteur Davidson et pasteur René Richardson qui par là, donc c'est nous trois qui mettons ensemble et à Boston l'unité, nous trois qui mettons ensemble et puis nous former Pierre-Lacroix Christian Center avec près de 25 et à 30 jeunes et jeunes américaines comme si de base et puis nous dit ok, on a fait bien entendu, on déjà connaît, on va pas arrêter avec 25 seulement et puis au fil des années depuis c'est depuis en 2020 au fil des années après 2 ans nous t'es venu ouvrir quatre là pour t'aider près d'une centaine de jeunes haïtiens américains nous vivons ensemble et puis qui dit qu'on a fait et puis la quoi Christian Center. Alors pasteur Dagrin, d'abord tout est nous saluons bon derrière, merci parce qu'on recevoir dans une grosse émission ça et nous connaissons parce que toute population toute zone là et tout pays a cap gardé lui nous saluons et merci à peine tout non voix qui la croit un gros travail à faire dans la communauté là et nous saluons tout le monde qui a gardé l'émission ça et non j'en suis tant de ces pasteurs c'est Davidson Dagrin en fonction de pasteur dans la communauté après longtemps depuis nous avons servi dans la communauté là et bon Dieu fait grâce et pasteur Bob Gita Baron petit détail de côté un peu nous sortir nous penser au cours de l'émission ou à connaître plus de détails de nous, mais qu'on y a là, ou à connaître nous comme pasteur, et nous, le pasteur Pierre-Lacroix, qui n'a pas voulu nous parler avant de Pierre-Lacroix et activité, ça qui nous va bien plus devant. Alors, l'homme t'a fait recherche parce que vous connaissez. Je vais faire une interview avec deux gros potoricassons, il est normal pour moi de faire recherche, mais il y a une bagaille qui t'ont déjà attiré l'attention, c'est que c'est Boston, nous t'es Boston. Et puis subitement, bon bagay qui vivait, et puis pas de possibilité pour Boston encore. Waouh!
ou fè ou travè du jounalisme investigateur. Pas de possibilité pou la Gouston encore. Et puis, bon inspiration vin. Est-ce que nous capables de parler nous de petit parcours ça? Les dessous moins d'une minute, et nous même dans le ministère musical, nous, il était un aspect de prédication. Écoutez, nous fait près de 20 à 25 ans, et nous avons prêché dans pile l'église, et à Ottawa par exemple, il offrit nous l'église déjà. Mais nous même nous le savons, nous pas de qu'un appel pastoral, mais vision était toujours, bon Dieu, pas de vision, c'est pour m'apprécier jusqu'à ce que m'aller dans le berceau. donc mais nous pas de sentiment arrivé. Et donc avec ça en plus nous connaît que nous gagnons un appel pastoral mais nous pas de sentiment dans le moment. Et pasteur Davidson lui-même était un pasteur pendant bon temps depuis dans 20 ans et pasteur et senior pasteur ou l'église. Donc le pasteur Richardson et le même qui fait 25 ans comme co-pasteur des églises. Donc nous même depuis près de 20 ans depuis mars 2002 et nous avons un groupe d'études théologiques que nous gagnons ensemble. Donc, chaque semaine. Donc, Frère Vadik. Frère Vadik, voilà, Frère Vadik. Et c'est un fondateur. Et donc, ou là, dans tout. Mais c'est journalisme de Kitoye. Oui. Donc, et ce groupe, ça fait, nous est toujours là-dedans. Donc, là, j'en dis, hein, nous, t'es gain, ou l'église, et beau, ce qui fait appel avec nous. Donc, nous trois, et pasteur Winel Richardson, pasteur David, c'est avec moi-même. Et nous, t'es co-pastoré l'église, ça, dans Boston. Et de 2019, et puis en 2020, et puis Covid passé. On va dire Covid passé, et nous dès qu'on est allé 3 à 4 fois par semaine, Boston, et elle fait études bibliques, elle forme des leaders, et puis chaque dimanche, et on va comprendre avec le ministère par nous qui tout prend avion, donc tout le bagage nous prend, c'est de Boston, et parce que d'habitude, ils sont même gens tout, ils mettent tout le bagage de côté, et puis le Covid vini en mai 2020, alors depuis en mars 2020, donc nous pas qu'à faire jondi, nous pas qu'à déplacer, nous pas qu'à faire rien. Et puis nous même nous t'ai ouais raison qui fait nous pas qu'à faire l'église surtout collectif et constable, c'est parce que le ministère musique nous tellement ambulant, nous tourne en avion, nous elle est impossible. Donc mais Covid vini, bon Dieu mettez nous chita. Et nous t'ai déjà co-pastoré. Nous pas qu'à faire nous dit nous pas qu'à faire. Donc de mars nous été n'a pensé. Et puis pile là nous madame nous et pile monde dit comme ça. Pour qui ça nous juste rester, nous être fermé et on va que tout bagarre mourir. Et puis donc c'est là en mars 2020 et en mai 2020 et puis nous dit bon OK voilà avec groupe là pour le 25 non nous quitter toujours à Petit depuis 2022 là, et depuis 2002 là, et puis nous dit OK n'a fond l'église. Et pasteur Davidson, qui importance et implantation et l'église Pied la Croix Christian Center et ma communauté a et le n'a gardé une prolifération tout une prolifération de l'église et qui ça que Pied la Croix Christian Center pour Albaï qui différent de l'autre l'église qui haïtienne bien entendu et d'autres l'église qui dans communauté. Ma réponse très bref avec vision nous côté nous doit aller qui nous ca résumer dans trois campagnes. Trois campagnes, ça, que nous, les premières campagnes, là, avec une campagne qui s'est restaurée, qui s'est allée restaurer, aider, joindre, même Jean-Pierre Lannou qui fait partie de restaurer aussi. C'est tout le monde qui était l'église locale avant, et puis on bagaille, quelle que soit l'expérience qui a été faite, on bagaille qui était arrivé, et puis tout a abandonné l'église locale. Malgré toujours été chrétien, mais il a été loin de l'église locale. Et ce Covid, tout, c'est une moyen tout. Qui rend le monde après Covid, l'église est fermée, et puis l'église commence à faire activité encore, et tout partout dans l'église encore. Et nous, c'est un moyen, le fait que nous vraiment religieusement nous attachons à l'église, nous pas quitter l'église, mais Covid tout bas au prétexte, nous avons une nécessité après Covid, et bien ça c'est une campagne que nous avons, qui c'est objectif et mission, et puis la quoi. Et deuxièmement qui c'est réclamer c'est on est plus devant la parler de lui mais n'a très bien souli et c'est monde qui nous c'est visé qui c'est Haitian American. OK, c'est jeune nous monde qui grandit dans communauté haïtien qui grandit dans l'église haïtienne et puis là au fin grand grad université fait vie et puis aller quitter communauté.
et mon travail aussi lui-même qui gagne masse connaissance là et qui prépare mieux formé et bien l'église ou après l'église était toujours pauvre et en sens de et mon travail qui servait sous nous et puis qui allait ok ça c'est objectif puis la quoi raison d'être puis la quoi pour nous aller chercher mon travail retourner au bac non seulement dans la communauté haïtienne en dans l'église locale pour nous retourner back pour venir servir avec l'église avec la communauté entièrement et puis nous avons troisième là qui c'est et qui c'est vision l'église qui c'est mission l'église c'est ça nous relé à le release c'est à relâcher et mon qui besoin crucio mon qui besoin qui pour comprendre Christ sa job qui dans captivité et bien si nous sommes capables de résumer et raison d'être pied la quoi et bien c'est campagne ça c'est raison ça qui nous est nécessité à nous gain place de travail pas nous pour nous faire et bien nous dit OK et équipe ça groupe ça qui mettait ensemble nous prédire on s'entend de passer et bien nous dit OK n'a commencé son ministère et tant petit italien en pile dans nous de trois campagnes ça nous dit à deux campagnes qui se relis et puis nous claim c'est nous-mêmes parce que en pile dans nous qui était l'église locale ou en pile dans nous qui était communauté à caler dans l'église dans notre communauté mais quand y a là nous regroupons nous rejoignons nous dit OK en nous fait yon l'autre bagaille non seulement et communauté haïtienne mais l'église haïtienne aussi investir en pile pour nous capoter nous et gros point là où toucher qui est très important et où élaborer même dans les mains tant de points de vue et pasteur Bobdou souligne cette réclame comprendre ça veut dire que nous connaît que son constat c'est que jeunes yo de plus souvent yo mettez yo en otage ça veut dire que pas gagner pas de provision pour yo pas de provision pour jeunes yo surtout dans presque dans toute l'église vous comprenez activité qu'a fait ou est jeunes yo pas là-dedans quelle stratégie que l'église puis la quoi a utilisé pour permettre à ce que jeunes ça yo non seulement récupérer yo après yo et permettre que yo rete parce que aller seyou après yo seyou mais il était assez alors m'a tout dit tout le monde que frère Emmanuel Louis c'est un membre fondateur à la base puis la croix aussi et donc tout complète nous gagner ensemble mais je dis à ces journalistes lié l'a posé en troisième personne m'a proposé en troisième personne donc la question le poser c'est les connaît réponse mais le tabler me connaît merci en plus pour question parce que David Son sont bien élaboré et c'est parfait. Donc, au cas où trois campagnes ça y est, et pour bon monter dit qui clé, c'est prolifération d'église. Donc, dès bien prolifération, bon chance pour venir dire bataille pour même monde. Donc, si vous venez bataille pour même monde, donc, vous venez créer division. Donc, à prolifération, qu'à division. Donc, oui, nous faisons partie de prolifération, mais et pas prolifération, division. Pour qui ça? Parce que trois groupes nous visons, une manière l'église haïtienne. Premier groupe là, nous dit c'est restaurer, c'est monde qui dans l'église qui quitté. Ils ont quitté pour toute raison. Donc vous-même, d'après moi-même, à cause de l'intelligence nous, à cause des idées et futuristes nous, et pour changer un paquet de bagages, ils prennent comme des menaces. Donc nous qu'à à l'église, mais nous pas qu'à dans l'église. Donc et en façon aussi nous-mêmes que nous prenons pour Dieu, qui allait au-delà de la religiosité. Donc et on connaît pas de place pour rien. Donc yo jeter nous, gain en pile dans nous, c'est pas juste jeter nous, c'est nous sortir parce que nous gain trek bala qui pas bon dans nous. Mais groupe ça son groupe qui parle l'église haïtienne. Donc c'est moun n'a prendre dans la rue. Donc son prolifération même si l'église haïtienne fait gain 10 millions, moun jo prendre l'église haïtienne. Deuxième groupe là nous dit c'est moun qui poko c'est Wiclem mais celui nous parle rete, Wiclem là, c'est jeune nation américain yo. Qui était dans l'église haïtienne, parce qu'il était subjugué, il était timide, il était fait dans l'église, etc. Mais depuis 18 ans arrivé, il y a le collège, il y a Hamdouné. Et là, il y a l'autre communauté, il n'y a pas l'église du tout. Donc, si groupe ça, le groupe ça pas dans l'église haïtienne du tout. Donc, il avait dit prolifération, mais non division, parce que il n'y a pas dans l'église haïtienne. Et troisième groupe, là, c'est le monde qui n'y a pas dans l'église du tout, parce qu'il n'y a pas eu de monde pour la chambre du château, pour aller évangéliser, faire accepter Christ. Donc, le fait que au cas où on a vision, nous, trois groupes principaux, une va faire partie de l'église haïtienne, donc c'est pour montrer que, et nous-mêmes, mais ça fait l'un commencer, toute l'église haïtienne nous mettons au courant, que nous connaissons, tout pasteur, ils ont mis nous parlons, nous disons, mais prenons, pour qui ça? Parce que nous connaissons, nous pas viser une, nos fidèles, nous pas viser une, parce que, et pas pour ça appelle là,
appel nous, c'est pour exactement nous parler de l'église haïtienne. Donc, son l'église haïtienne qui a regroupé tout le monde dans l'église haïtienne pour venir dans l'église haïtienne pour nous. Oui, Clemens, c'est lui-même qui parle de Brennan Border, nous avait dit, base là, je vous dis, jeune nous, et parce que d'habitude, on est bien élaboré. Jeune ça, c'est eux-mêmes qui, c'est richesse économique, nous. C'est richesse intellectuelle, nous. C'est richesse sociale, nous. Parce que songez mon ça, il n'y a pas de problème d'immigration. Est-ce que tout fait ici? Donc, bon, pas qu'il y ait de prière dans l'église, bon, Dieu, on va pas avoir bonne visite, on va pas avoir résidence là. Et pas ça, ok, eux-mêmes. C'est qu'il peut aller plus loin. Au lieu de faire pour payer à fond bagaille pour eux, moun sa yo, yo ka président, yo ka aller au congressman, yo ka aller magistrat. Et surtout, dans le milieu social, économique et politique, jeune sa yo, de fois, yo gagne, yo occupe des postes de, oui, poste, oui, de responsabilité. Tandis que dans les églises, et puis, il y a un expert comptable, et puis, il y a l'église. Et puis, on va même considérer ce monde avec un bout de carrière qui a fait comptabilité. Exactement. Donc, c'est ça qui fait n'est pas prêter. Donc, le monde, ça, je est professionnel. Donc, non seulement dans le niveau intellectuel, dans le niveau social, dans le niveau économique, dans le niveau politique, c'est richesse, nous. Parce que, David, on dit, ça fait communauté haïtienne, nous pauvres. Nous pauvres dans tout sens. En idée, nous pauvres en pensée, nous pauvres en l'argent, nous pauvres en position sociale, nous pauvres en position politique. Parce que, groupe pas nous, hein, qui a fait, nous mettons dehors. Et en termes de stratégie, qui stratégie que nous utilisons actuellement là pour, parce que nous disséminer. Oui. Stratégie. Premièrement, c'est pour l'église temple nous seulement. L'église nous, c'est, nous est l'église pour être temple seulement. Et bien, l'église, c'est plus que le temple. Le temple, c'est là où on se rassemble pour l'adoration et d'autres activités religieuses. Yes. Mais l'église, c'est plus que le temple. Donc, c'est une bagaille qui fait, je ne sais où. Nous parité, parce que, pour notre communauté, nous comprenons tout ça. Depuis, on dit, l'église, c'est quatre murs, là. Alors que, Bible a clair, que l'église est plus que les quatre murs. Donc, jeune Sayo, il a évolué tout côté. Donc, il y a voulu les chrétiens tout côté. Mais, comme il y a ici, il y a chrétiens seulement, en temps plein. Donc, et ça fait nous-mêmes, nous n'avons pas de programme qui permettent, Jean Bible a mandé, pour nous chrétiens, complètement, dans tout domaine et tout côté, y compris, bien entendu, dans le temple. Et, gros paquet de programmes, par exemple. Si, ou, moun, nous, gros paquet de doctorat, dans nos paquet de matières, y a plus d'université. Donc, nous, nous pas capable de programme d'éducation, pour moun, ça y est, pour le travail. Nous, gros paquet de qui ça y est, c'est avocat. Nous, gros programme, légal, qui est en rapport avec l'immigration, yon façon pour moun sa yo, pour yon ka utile, nous pas ka on l'église d'immigrants, qui gen programme migration, et puis nous pas gen avocat dans nous, pendant que nous plein avocat national américain yo. Et ça, diam t'appelé un livre qui est de Good Book, côté que c'est George Bush qui préface, George Bush père dans la plaine, côté que lui raconte histoire ça, c'est que gagnait yon frère dans l'église, et puis, alors, vous qui raconte l'histoire, ça, alors, c'est celle qui est auteur, là, qui dit que ils n'ont l'église, et puis, personne qui gagne une compagnie, qui n'a, Fortune 500. Vous comprenez, monsieur est dans l'église là, et puis, pasteur informé, il voit que monsieur dans l'église là. Et qui sa pasteur a fait? Eh bien, il n'est pas là, monsieur. Il dit, monsieur, pour ça que vous pas capable de gagner. Yon l'église et ou pas capable de gagner une compagnie qui a fait des milliards de dollars et puis ou nous toujours dans l'église là et que par conséquent, ça me donne ou fait une étude et ou école du dimanche seulement de économie pour parler. Effectivement, et monsieur était très content de parler à madame Mé, alors madame Mé d'accord, et puis monsieur fait yon école dominicale. C'est enseigner, la enseigner, et finalement, il y a un pile fidèle qui vient actionner dans l'église là. Et il y a même sénateur, il y a même député qui, chaque dimanche, ils viennent dans l'étude et dans l'école du dimanche là, ils sont capables de prendre instruction. Voilà. Et voilà. Donc, nous n'avons pas quatre programmes sociaux, religieux comme ça. C'est vision ça. Vision ça, c'est pour New York. Mais pour un d'entre
Pwanda, nan tap la jambaka yo fèt, yo gen red rezon pa vle rete. Daye nou gen rezon ki nou pa rete. Nou gen apil rezon. Premièrement, se gaspillage de tan. Un servis dure 3 jan tan, yo di pou dure 3 jan tan, li dure 5 jan tan. Et pas même gen une heure de temps bagay vraiment à essence qui fait, substance qui fait là-dedans. Donc nous même, même pendant le monde en venir, ou service au 10h pour midi, et pour midi 30, souvenir exactement à 10h ou en retard 5 minutes. Puis nous commençons 5 minutes avant, et puis nous bagay dans l'église haïtienne, nous pas respecter l'heure. Et c'est ça qui fait un pile jeune ça va aller parce qu'il y a évolué professionnellement dans l'environnement qui respecte l'heure. Donc ou pas qu'à faire coup yon venir dans l'église haïtienne, il faut descendre le standard. Il y a 10 programmes là et ils ont fini. Et pour 3 temps, 5 temps, on a piqué tout. Soit aller faire 20 ans dans le bon Dieu, et soit faire le diable bien valé, etc. Nous-mêmes, sommes finis à midi 31, et c'est ça, nous venons saluer nous. C'est une bagaille, nous éviter. En pile, parle en pile. Ou pas qu'on parle en pile dans le service qui parle dire rien. Chaque monde qui va en annoncer pour prêcher dans l'annonce, un paquet de etc. Mon a monté, mon a pris, etc. Virer ça est tellement, mais on t'a chargé, bah, la vie, on gagne le match. Raison, c'est parce que toute ça, l'église d'ailleurs, il résume le service dimanche là. Donc, ça, le service dimanche, il faut tout le monde passer, faut tout le monde ouvrir, faut tout le monde bagaille, parce qu'il y a des bagailles cool fini, pas grand rien encore. Donc, ça fait nous-mêmes pied là, quoi. Nous sommes l'église de tous les jours. Et nous sommes l'église de tous côtés. Ça veut dire. Mais comment expliquer l'église de tous les jours, de tous côtés? Oui, parce que nous parlons. Parce que notre perception, monde, ça veut dire que. Porte l'église là ouvre chaque jour. Et pas pour le temple, mais porte l'église là. Oui. Tu as toujours des raisons qui rendent l'activité de l'église là, rendent porte le temple ouvre chaque jour. Mais là, nous disons que l'église là, c'est l'église tous les jours, parce que l'église n'a pas résumé dans le service dimanche matin, mais le service seulement. Parce que tellement de temps de travail, tant d'activités, tant de fonctions, tant de responsabilités. Nous-mêmes, leaders, nous avons travaillé, nous avons fait activité, nous avons passé un bon sou touché tout à l'heure là. Et dans le réclame que nous allons chercher, nous avons un programme d'éducation. Mais le programme d'éducation, nous avons fait le dimanche matin. Nous avons toujours une école dominicale qui fait pour former, ce n'est pas l'école dominicale, c'est l'école dominicale fait là qu'on a là. Qui ne veut pas venir là. C'est un vrai exemple, ça, parce que c'est un vrai exemple. Qui montrait comment il a utilisé l'école dominicale qui a maltraité qu'on a comme une ressource pour former mon financièrement. Ok? Et oui, c'est ça, nous voulons dire. Mais j'aime comprendre, pied la croix. Pied la croix a, c'est révolutionné, et nous capable de dire, le christianisme et le protestantisme. Haïtien. Et pas haïtien. On a dit pour le final, parce que, et pas seulement communauté haïtienne qui fait de ça, qui fait de Bible à ça, vous voulez. Et y'a un gros avantage nous gagnons nous-mêmes, l'évangile que bon Dieu bat nous, lui pas de papa, lui pas de parrain. Et c'est pas, et pas aucune dénomination, ni mission, ou pas que groupe monde qui te pensé en façon, qui prend problème là-dedans. Et puis, il y a Bali par héritage à travers les siècles. Nous-mêmes, même comme noirs, nous presque avons une attitude esclave. Et peut-être 2-3 gouttes, puis on a payé place pour nous, puis on fait nous commencer. Et puis, qu'on y a là, quelle que soit la doctrine, nous sommes obligés d'adopter. Même là, la Bible dit autrement. Et t'es un pasteur qui était fini gradué, t'es dans l'église, et puis il a quitté. Et puis, nous avons payé dans le monde, nous avons parlé avec elle pour le faire une nouvelle jeune. Et pas ici en Amérique, ni non, mais les jeunes en termes d'âge. Et puis nous disons, bon, mais les haïtiens 100%. Nous disons, mes plans nous gagnent, comme avec jeunesse, et puis sous fait graduer, etc. Et mes visions qui sont à voulu faire la vie ou même. Il dit, premièrement, m'a fait une, et puis tout tellement aimé des haïtiens, m'a fait une cette communauté des haïtiens. Et puis deuxièmement, et en fait, m'a fait l'église. Donc, on a dit, ouais, vrai problème, non. Donc, mais ça, vous montrez tout le monde qui est dans l'école, c'est que, il y a community center, et puis il y a l'église. Alors que la Bible a dit, l'église sont sans communauté liée. Donc, moi, je dis, non. C'est, parce qu'on pas défini, on pas défini l'église, non, c'est dans la Bible, là. L'église a commencé, il n'y a pas de temps. En fait, Jésus, il crase ton plan. Yes. Voilà, chiré, etc. Et puis 70 ans après, tant que ça l'écrasait. Donc, il dit,
la bâtir mon église, je bâtir mon église et pas mon temple, mon église. Et c'est nous. Et c'est ça qui fait après 3000 mouns premiers qui conversent, qui font ça. Pas de mon temple pour eux. Qui ça a été gagné? Gagné tes vignes, tes estropies, ça a été malade, ça a été grand goût. Moun qui même croit même tout est là, ça a été gagné. Vous avez besoin de dormir, vous avez besoin de manger, vous avez besoin de bagaille. Ou après que dans la Bible, avec des apôtres, ou après tout, c'est moun by kai, moun by ceci, moun by cela, il y a occupé moun, il y a pris. Ça veut dire que c'est ton démon social, c'est ton centre communautaire. Depuis où moun besoin d'aide, là, dans l'église là. Et l'église là, il n'y a pas de gagné au kai. Donc, comme yon même centre communautaire ça a appelé tout le temps, donc, on les fait rencontrer au côté pour yon prier, pour yon dire bon Dieu merci pour tout le bagaille. Donc, yon vient faire une zone qui s'étend. Mais le temple n'est pas l'église. L'église est plus que le temple. Le temple, c'est le centre de l'église. Donc c'est un sens ça qui fait nous dire, nous-mêmes, étant Pierre Lacroix, jeunes saillots, pas c'est tout le monde, jeunes saillots, nous ne pouvons pas révolutionner ça qui s'allie. Nous voilà la base, nous ne pouvons pas s'allier. Tout le monde qui prend et l'église comme seulement les affaires du temple, moun sa yo, yo en dehors de sa Bible amende. Parce que aider moun, ba moun le Jésus, a ba moun suspend prêcher pour le bay pain à poisson. Li pa mande moun tant que prêtre yo faire soit c'était pour dire amen avant le bon hostia. Li pa mande moun soit accepter moun soit suivre moi pour bon pain à poisson. Ou grand goût. Ou grand goût. La bonne manger. Si moun c'est chrétien, m pa ka konn gen moun ki grand goût dans zone là. Nous konnen gen ou paquet moun ki gen problème papier. Immigration, nous connaissons des gens qui mettent l'école, nous connaissons des formations pour le collège, nous connaissons des gens qui n'ont pas payé, nous n'avons pas de problème, nous connaissons, et puis nous, tu l'église, et puis tout autre monde n'a pas venu adorer notre temps avec nous, il n'a pas joui de bonté et de toute sa bonté par nous. Donc, Pierre n'a pas nous pas révolutionné le christianisme, c'est ça christianisé. Bon, alors, nous prenons une petite pause pour nous rentrer dans ça qui est la cuisine et qui est pour fête le 6 octobre. OK? So, n'a pas une petite pause et n'a pas tout.